monde où nous nous tenons devant lui. Qui a été béni durant ce moment? T'es béni durant ce moment, ça fait du bien. Amen. Ah, il s'est passé quelque chose pour Gaël. Il s'est passé quelque chose pour Gaël. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a parlé en langue pour la première fois. Elle a parlé en langue pour la première fois. Oh, merci au Saint-Esprit. Ah, t'es ému? C'est trop bien. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut bénir le Saint-Esprit pour ce qu'il fait? Alléluia. Dieu est merveilleux. Et tout ça, c'est simplement les bénéfices de la croix. Chaque année, les entreprises, ils distribuent. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui, Jean-Marc, il est toujours sur les entreprises? Il est en train d'investir? Chaque année, les entreprises, vous savez, vous avez entendu parler des les grands patrons du CAC 40, les grandes entreprises de la ville, du pays, ils distribuent chaque année aux actionnaires les bénéfices. À combien plus forte raison, nous? Amen. À combien plus forte raison, nous? Nous ne recevons pas les bénéfices de la croix. Et c'est qui nous les distribue? Jésus-Christ. Il nous les donne. Les bénéfices de la croix. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Oh, merci beaucoup. Les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'ai envie d'emmener ce verset. Qui nous a bénis, qui nous donne les primes de la croix dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ces bénédictions qui valent plus que les 400 000 euros ou je ne sais pas, 3,2 millions d'un patron de 440. Ça vaut plus que ça. Même si j'aimerais avoir Jésus, j'aimerais aussi avoir les 3 millions. Mais ça vaut plus que ça. Ça vaut plus que ça. Oh Jésus, merci. Merci. Même si nos mots sont faibles pour pouvoir exprimer, arriver à toucher la profondeur de ce que Dieu nous a donné, mais nous croyons que le peu que le Saint-Esprit peut nous donner, la compréhension qu'il peut nous donner de cette richesse de Christ, nous pouvons pleurer. Et c'est là que de fois même nous pleurons dans sa présence parce qu'on se rend compte que c'est énorme, ça dépasse notre entendement, c'est au-delà de ce que l'on peut comprendre. Et nous croyons et nous comprenons encore que vraiment, la foi dans laquelle on est, ce n'est pas du racontard, ce n'est pas les histoires de Émile Zola, ce n'est pas les histoires les fables de La Fontaine. C'est vraiment une réalité. Alors nous sommes contents ce soir de pouvoir reprendre ensemble cet enseignement, le livre que nous sommes en train d'étudier ensemble, les 20 basiques que tout chrétien doit savoir. On l'a commencé, je pense, c'est le troisième mercredi. Aujourd'hui, c'est le troisième mercredi. Et je vous invite à prendre avec moi la page numéro 11 et nous commençons le deuxième chapitre qui s'appelle « À quoi ressemble Dieu ?» Désolé. Donc, nous sommes... Tu n'as pas eu ? Ok. C'est bon pour tout le monde ? Ok, parfait. Donc, nous sommes, ceux qui sont en ligne aussi sûrement, après, même si vous n'avez pas là aujourd'hui pour ceux qui sont en ligne, je ne sais pas si Samuel, tu l'as eu, vous pourrez l'avoir la prochaine fois et vous pouvez aussi écouter sur notre chaîne YouTube la première partie ainsi que la deuxième, même si je sais que la deuxième partie, je ne suis pas allé en profondeur. De ce qui était écrit, mais je crois que
vous avez été bénis par les commentaires. Alors, le deuxième chapitre, c'est à quoi ressemble Dieu. À quoi ressemble Dieu. Tout comme l'Écriture est la plus haute source d'information sur elle-même, nous avons vu le premier chapitre, la Bible. Dieu est la plus haute source d'information sur lui-même. Alors, ce que moi j'ai souligné, vous pouvez aussi les souligner. Ce n'est pas une obligation, mais voilà. Vous savez que c'est les points, en tout cas pour moi, je considérais que c'était très important et c'est là que je vais commenter un peu plus. Si la Bible est la seule et la source d'information importante, la plus importante pour connaître Dieu, Dieu lui-même est le seul qui peut nous apprendre sur lui-même. Ça, c'est intéressant. C'est logique, car s'il existait une source d'information supérieure sur Dieu, alors Dieu ne serait pas Dieu. Je ne vais pas allumer BFM TV pour apprendre à connaître Dieu. Tout comme je ne vais pas aller écouter Johnny Hallyday allumer le feu pour apprendre à connaître Dieu. Ok? Heureusement que Dieu est lui-même un feu dévorant pour allumer un feu dans nos cœurs. C'est pourquoi il est important que toute étude de Dieu se penche sur ce que Dieu dit de lui-même dans les pages de la Bible. Vous voyez, c'est que la Bible, nous avons dit que c'est la parole de Dieu. Et la Bible, comme parole de Dieu, nous enseigne, nous apprend sur Dieu. Alors, ici, nous allons explorer à peu près 20 ou 24 caractéristiques ou attributs de Dieu. Rapidement, notez-le quelque part. Parmi les attributs de Dieu, alors là, vous savez que voilà, j'ai aussi des commentaires. Et d'ailleurs, Anne-Marie, puisque tu es notre paparazzi, tu pourras faire une photo de comment moi j'ai. Ok? Si ça vous intéresse aussi, j'ai mis quelques commentaires à côté, mais je le dirai aussi comme ça. Vous pourrez prendre des photos de mes pages. J'ai commenté, ça peut toujours rajouter de la compréhension dans ce que vous connaissez. Alors, c'est important en fait, avant qu'on puisse aller plus loin, juste pour nous encourager tous, ok? Nous encourager tous dans le fait que nous sommes en train de grandir et vous allez voir la connaissance de la Bible à l'Institut biblique de Genève, que j'ai terminé il y a maintenant, je crois, un an, je pense. Il disait ceci, il parlait du concept de l'oignon. Quand vous ouvrez l'oignon, vous avez déjà la petite croûte là qui fait... Vous enlevez, vous avez une petite couche qui est de fois un peu marron, qui est de fois un peu plus en fonction de la bonne santé de l'oignon. Ok? Et après, vous enlevez l'autre couche et c'est là que vous coupez. Mais en fait, l'oignon, c'est plusieurs couches. Et la connaissance de la Bible aussi, plus vous grandissez, plus vous êtes nourri par vous-même, par l'Église, par Dieu, par des expériences, cette connaissance, au fait, forme plusieurs couches. Et à chaque fois que vous lisez un document, vous écoutez une prédication, vous êtes en prière, vous allez commencer à voir qu'il y a des ramifications, il y a des liens qui se font. Il y a un lien entre ce passage et cette histoire dans le Nouveau Testament. Il y a un lien qui se passe entre tel endroit, ok? Alors, de fois, comme ça, de manière directe, comme ça, vous pouvez être surpris, mais comment est-ce que lui, il fait tous les liens et tout? Ça ne vient pas simplement d'aujourd'hui. Et petit à petit, en comprenant, vous êtes en train de former votre propre oignon et que vous allez faire frire. Et ça va? Ça va être bon. Heureusement, on n'est pas en jeûne, sinon j'allais titiller vos ventres. Donc, regardez du coup, je disais deux choses sur les attributs de Dieu. Il y a les attributs de Dieu communicables, premièrement, et il y a les attributs de Dieu incommunicables. Les attributs de Dieu communicables sont ceux qu'il partage avec nous, dans une certaine mesure. Par exemple, Dieu est amour, nous aussi nous pouvons manifester de l'amour. Ok? Attributs de Dieu communicables. Et les attributs de Dieu incommunicables, Dieu, il est le seul à les posséder. Alors, quelqu'un va peut-être dire que Dieu est jaloux. Effectivement, Dieu est jaloux. On verra ça plus loin. Hein? Non, je n'ai pas dit que Dieu est jaloux, c'est un attribut. C'est un attribut, mais je ne l'ai pas classé. Ok? Donc, les attributs de Dieu incommunicables, c'est ceux qu'il ne partage pas avec l'homme. Par exemple, les trois qui sont les plus connus, c'est
omniscient, Dieu qui possède toute la connaissance. D'ailleurs, l'homme a quand même tenté avec le cinéma de pouvoir explorer un peu ce domaine-là de la toute connaissance, ok? Avec le film avec cet acteur, comment il s'appelle, cet acteur très drôle là, qui a fait Dieu, je crois. Voilà, Jim Carrey. Il a fait un film où il était Dieu et il recevait, il entendait tout, ok? Donc, voilà. Donc, imaginez, on a tous aussi déjà pensé, si on écoutait les prières de tout le monde, est-ce qu'on dormirait? Ok, est-ce qu'on dormirait pendant que telle église est en train de faire une veillée de prière et qu'elle n'est pas la seule? Enfin bref, c'est l'homme a cette pensée s'il possédait la toute connaissance. Donc vous avez ces trois attributs les plus connus, l'omniscience, l'omniprésence, Dieu est partout et l'omnipotence. Dieu est tout puissant. Donc c'est des attributs incommunicables. Dieu est le seul à les posséder. On commence par le premier attribut qui est Dieu existe. Alors, moi, j'ai noté ici, et je l'ai trouvé très intéressant, j'ai noté que le premier attribut, Dieu existe, est un élément important pour comprendre et peut-être débattre avec un athée. Le premier attribut, Dieu existe, contredit l'athéisme qui dit Dieu n'existe pas. Ok ? La Bible postule simplement que Dieu existe. Le premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il présente Dieu comme le créateur sans aucune preuve de son existence ou de ses actions. En gros, il présente Dieu comme le créateur sans pour autant expliquer comment le créateur a été créé. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, il veut avoir les preuves, il veut avoir l'explication. Et nous sommes dans une société de la Renaissance, des Lumières, les siècles des Lumières. Nous sommes dans une société où la science nous explique, nous donne des preuves sur tout. Okay? Et encore, nous sommes bénis à l'église d'avoir des doctorants. J'ai rien dit. Et donc, ils font des recherches, ils prouvent, ils cherchent tout et vous avez aussi, nous sommes bénis aussi d'avoir des personnes qui ont fait des masters et bref, donc on est logique, on a des preuves, tout ce que l'on fait, on a des preuves, mais maintenant Dieu, il est là, il est, en fait, il y a comme une preuve de Dieu, mais une preuve qui est immatérielle, mais en même temps, cette preuve, elle est prouvée, elle est réelle. Dieu existe. Il présente Dieu, la Bible présente Dieu comme le créateur. La Bible nous dit également que tous les êtres humains, où qu'ils soient, ont un sentiment profond et intérieur de l'existence de Dieu. Qu'ils sont ses créatures et qu'il est leur créateur. Oh, intéressant. Notez quelque part, deux textes bibliques que je vous encourage à aller lire. Ces deux textes bibliques sont très intéressants parce que l'apôtre Paul parle dans le premier, c'est Romains chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 32. L'apôtre Paul commence l'épître aux Romains qui est un chef-d'œuvre de l'évangile. Si vous souhaitez vraiment comprendre l'évangile, les points importants de l'évangile dans la Bible, même si l'évangile, la mort, la résurrection de Christ est balayée de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, vous avez quand même comme la charnière qui est dans l'épître de Paul aux Romains. La charnière, la structure, la charpente, avant qu'on vienne poser les tuiles et l'isolation. La charpente, l'épître aux Romains, vous avez son frère ou son jumeau, l'épître de Paul aux Galates. Les deux sont presque similaires. Et Paul parle vraiment de l'élément très important de l'évangile qui est la justification par la foi. La Bible nous dit également que les êtres humains, je disais, ont un sentiment profond de Dieu. Je vous ai donné le texte Romains chapitre 1 à partir du verset 18 et du verset jusqu'au verset 32. Est-ce que quelqu'un peut le prendre? On va le lire. Je continue le paragraphe et nous allons le lire. Donc Romains chapitre
1 à partir du verset 18 au verset 32. Première caractéristique, Dieu existe. Paul écrit que même pour les méchants, ce sentiment est clair pour eux. Dieu lui-même le leur fait connaître. Le leur ayant fait connaître. Voilà. Bien que beaucoup de personnes aujourd'hui ne reconnaissent pas que Dieu existe, Paul dit que c'est car ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ouh! Vous êtes face à quelqu'un qui vous dit que Dieu n'existe pas. Paul nous dit, ou le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Paul que cette personne délibérément a décidé de ne pas reconnaître l'existence de Dieu parce que Dieu lui-même place dans l'homme, dans tout homme, un bref, quelque chose qui est tellement léger. Pourquoi? Parce qu'elle est presque alourdie par le péché. Mais la chose, elle est là. La connaissance de Dieu, l'existence de Dieu, elle est là. Est-ce qu'on a trouvé le texte? C'est bon? Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît? Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice oui. qui retiennent injustement la vérité captive. Voilà. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu les leur a manifesté. Verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Oh, c'est très très beau. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et en lisant cela, on comprend quel est le rôle du Saint-Esprit afin de nous emmener à accepter l'existence de Dieu. Mais au fait, nous qui avons accepté aujourd'hui l'existence de Dieu, ce qui se passe, c'est que nous sommes rentrés, au fait, dans une relation. Nous ne croyons pas simplement que Dieu existe, mais nous sommes maintenant en relation avec lui. Lundi, j'étais chez... Pour ce qui était dimanche, vous vous rappelez, le jeune qui était là, je suis allé chez sa tante. Passé l'après-midi, on a mangé, tout s'est bien passé. À un moment donné, je discutais avec les enfants de sa tante. Et parmi les enfants de sa... Enfin, parmi les enfants... Il y avait une amie à l'enfant de cette dame. Je crois que vous avez compris. Et donc, cette fille, je lui pose la question, on est arrivé à discuter, je lui pose la question, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Et je lui pose la question, est-ce que tu penses être en relation avec Dieu? Comment ça? Est-ce que tu penses avoir expérimenté la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? Ok. En essayant d'aller un peu plus loin, voilà ma conclusion. Ma conclusion était, je sais que le mot nouvelle naissance, régénération pour le terme générique théologique, c'est deux fois des mots qu'on ne connaît pas. Mais peut-être conversion, c'est un peu plus clair. Alors, je pense que la fille, elle croit en Dieu sincèrement, mais je pense que le terme nouvelle naissance était nouveau pour elle, donc elle ne pouvait pas savoir. Et maintenant, pour nous, c'est important de connaître que quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu peut ne pas être passé par la nouvelle naissance. Mais de manière technique, c'est impossible. Personne ne peut croire en Dieu sans que la nouvelle naissance, la conversion soit passée. Parce que la conversion, en fait, emmène cette croyance, mais maintenant, elle emmène la relation. Donc, la personne ne croit pas simplement, mais la personne, derrière le fait qu'elle dit « je crois », elle sait qu'elle est enfant de Dieu et elle est en relation avec Dieu. C'est pour cela qu'on retrouve aujourd'hui l'expression « je suis croyant, mais pas pratiquant ». Et comment expliquer cela bibliquement?
C'est là que deux fois, vous allez voir une personne, vraiment, oui, vous cessez d'aller un peu plus loin. La personne a vécu une vraie expérience, mais on comprend maintenant qu'il n'y a pas eu, elle a manqué d'église. Ou soit elle n'est pas allée plus loin, ou soit le travail, beaucoup de choses ont fait que sa foi n'est pas allée. Mais au départ, quand elle dit qu'elle est vraiment croyante, après avoir discuté avec elle, vous vous rendez compte que c'était une vraie conversion. Donc, quand quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, que Dieu existe réellement, en allant plus loin, cette personne est passée par l'expérience de la nouvelle naissance. Et Paul nous dit que les méchants, eux aussi, même s'ils refusent de croire, ils le refusent délibérément. À cause de quoi ? À cause du conseiller qu'ils ont écouté, le péché. Et ils sont inexcusables. Je continue ? Ça va ? Je continue. Je vous lis le paragraphe qui suit. Nous étions arrêtés, donc est-ce que vous voyez, Paul dit que c'est, est-ce que vous voyez la phrase ? Paul dit que c'est car ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge, rejetant ainsi activement ou volontairement une certaine vérité sur le caractère et l'existence de Dieu qu'ils connaissaient au commencement. En substance, ils se convainquent eux-mêmes que Dieu n'existe pas. Vous pouvez aller lire le texte de Psaume 10, verset 4. La connaissance de Dieu à laquelle Paul fait référence peut être évidente pour eux, car les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Et vous allez voir un peu plus loin que certaines personnes, ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu ou ils vont se dire, je pense que quelque chose existe. Vous avez entendu ça? Je pense que quelque chose existe. Est-ce que maintenant vous voyez ce que je venais de dire tout à l'heure, que quelqu'un peut dire qu'il croit en Dieu, mais ne pas forcément être en relation avec Dieu? Hein? Oui? Oui, il marche. Il marche parce qu'il m'entend. Ah, peut-être commence à être faible. Et donc, quelqu'un peut dire qu'il croit en Dieu, que Dieu existe, mais il n'est pas forcément en relation avec lui. Et ça, souvent, les personnes qui disent « je pense que quelque chose existe », et maintenant vous lui posez la question « est-ce que tu crois être en relation avec Dieu ?» Alors ça, je ne sais pas. C'est là que ce que je venais de dire. Quand la nouvelle naissance est là, Paul lui dit quoi ? Paul lui dit, le Saint-Esprit témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La réponse n'est pas hésitante. La réponse n'est pas à chercher. La personne va dire, oui. Pourquoi ? Et elle peut dire, ben oui, je me rappelle, moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez ? Le Saint-Esprit témoigne en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on ne peut même pas le nier. On ne peut pas le refuser. C'est clair. Et ça ne demande pas de beaucoup de versets. Non, le Saint-Esprit, il te dit oui, ça s'est passé. Vous voyez, ça s'est passé. Dieu existe. Toute chose créée témoigne de Dieu et de son caractère. Mais ce sont les êtres humains créés à l'image de Dieu qui donnent le plus de preuves de l'existence et du caractère de Dieu. Et là, on entre un peu presque à défier Darwin. Ok, Dieu n'existe pas, mais Dieu, travers la Bible, nous dit que l'homme est l'un des joyaux pour témoigner de son existence. Donc, pendant que vous êtes face à quelqu'un qui vous dit que Dieu n'existe pas, elle est en train de vous dire que Dieu n'existe pas, mais spirituellement parlant, elle discute. Ou elle-même, elle est la preuve de l'existence de Dieu, mais elle ignore. L'athée est la preuve de l'existence de Dieu, mais il l'ignore. Par conséquent, la croyance en Dieu n'est pas une foi aveugle. Ah, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. La croyance en Dieu n'est pas une foi aveugle. Elle est fondée sur des preuves trouvées autant dans la Bible que dans le monde naturel. Et en théologie, on parle de la théologie naturelle. La théologie où la création elle-même nous enseigne sur Dieu. La création elle-même nous apprend sur Dieu. Première caractéristique, Dieu existe. Premier attribut de Dieu, Dieu existe. Et pendant que nous sommes en train de le louer, pendant que vous êtes en train de prier,
vous êtes en train de témoigner clairement que Dieu existe. Et c'est pour cela, Hébreu nous dit, personne ne peut s'approcher de Dieu et ne pas croire qu'il existe. Et d'ailleurs, il utilise le mot « plaire » pour plaire à Dieu. Celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui s'approche et qui croit qu'il existe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rémunère ceux qui le cherchent. Ça veut dire, il se laisse connaître. Et c'est le deuxième attribut, Dieu est connaissable. Dieu est connaissable. C'est pas comme si il reste loin et bon, c'est bon, on s'arrête là, il est là. Et en fait, nous, les chrétiens, on est un peu perdus dans notre soi-disant connaissance de Dieu. Non, nous ne sommes pas perdus. Dieu est connaissable. Et dans ma réflexion, donc je vous ai donné le premier passage qui est Romains chapitre 1, versets 18 à 32. Lecture que vous pouvez faire. Le deuxième passage vient renforcer le deuxième attribut qui est « Dieu est connaissable ». Ce deuxième passage, nous le trouvons dans Actes chapitre 17, à partir du verset 16 jusqu'au verset 34. Ce texte est tellement beau. Pourquoi? Parce que Paul, il est à Athènes, et à Athènes, Paul est en train de discuter avec les philosophes. Donc, Paul discute avec Michel Onfray. Paul discute avec les grands philosophes de notre temps. Et j'ai noté que le deuxième attribut, Dieu est connaissable, vient contredire cette pensée, l'agnosticisme. Dieu est inconnaissable. L'agnostique te dit, vous dit que Dieu est inconnaissable. On ne peut pas connaître Dieu. Comment expliquer cela? J'ai noté les philosophes agnostiques, j'ai fait une petite recherche, peut-être que ça va vous parler, vous avez Protagoras. Ou Protagoras, peut-être vous le connaissez, Démocrite, Emmanuel Kant et Auguste Comte, des philosophes qui prônaient l'agnosticisme. Ça veut dire, on ne peut pas connaître Dieu. Regardons ensemble. Non seulement que Dieu existe, il existe de telle manière que nous pouvons savoir des choses sur lui et apprendre à le connaître personnellement. Voilà la beauté de l'évangile. Voilà ce que Jésus est venu nous introduire. Jésus est venu nous emmener dans la profondeur de la pensée de l'Ancien Testament. Il nous a ouvert la voie et il est le seul à nous apprendre à appeler ou à prier Dieu comme le Père. Ça veut dire qu'il y a une relation de filiation. Il y a une intimité, il y a une proximité. Et Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, que l'inimitié a été brisée par le sacrifice ou la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que le péché avait créé l'inimitié. Et on le voit dans Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été chassés du jardin, comme pour dire symboliquement, le péché les a mis dehors. Leur a mis dehors, c'est ça? Les a mis dehors à cause de la désobéissance. Et Jésus est venu nous ouvrir, nous introduire, nous ramener à l'intérieur. Donc, la proximité. L'agnosticisme dit que Dieu est inconnaissable. Je lis le deuxième paragraphe. Cependant, nous ne connaîtrons jamais pleinement Dieu. On est d'accord. Dieu est connaissable veut dire que nous pouvons le connaître, même si nous ne pouvons pas tout connaître de Dieu. C'est presque un paradoxe, c'est presque une contradiction. On peut connaître Dieu, le connaître profondément. Notez le texte Osée, chapitre 6, à partir du verset 3. Osée, chapitre 6, verset 3 nous dit quoi? Cherchons, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Osée, chapitre 6, verset 3, une invitation. D'ailleurs, une petite parenthèse, le livre d'Osée, le livre du prophète d'Osée, est appelé, est considéré par certains érudits comme étant le jumeau de 1 Jean. Vous savez, l'apôtre Jean est appelé l'apôtre de l'amour parce qu'il a écrit les joyaux sur l'amour de Dieu. Okay? Et le livre d'Osée est aussi un des livres prophétiques de l'Ancien Testament qui parle du thème de Dieu comme amour. On ne peut pas tout connaître de Dieu parce qu'il est infini et nous, nous sommes limités. Regardez ce passage biblique, psaume 145, verset 3. Il dit, sa grandeur est insondable, trop grande pour être jamais connue.
pleinement connu. Et c'est pour cela, notre vie chrétienne ici-bas, nous apprécions notre progrès dans la connaissance de Dieu. Et je pense que ça vous rappelle quelque chose. Avec Paul, premier indice. Qu'est-ce qu'il nous dit Paul dans sa prière? Deuxième indice, dans Philippiens. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il fait une prière. Est-ce que vous voyez? Non? Troisième indice. Le chapitre 3. Est-ce que vous voyez? Quatrième indice, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Christian, bienvenue. Quatrième indice. Cinquième indice. Cinquième indice. Cinquième indice. Ce qui était pour moi comme... Vous savez, vous connaissez la phrase? Ce qui était pour moi comme un sujet de gloire. Je l'ai regardé comme étant de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, vous notez ce passage pour parler de la connaissance. Paul, là, est en train de dire qu'il est en train de poursuivre la connaissance de Christ. Et la connaissance de Christ a tellement une forte importance pour elle qu'il a comparé cela comme... certaines choses comme de la boue. Certaines choses comme de la boue. Il dit, notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. Psaume 147, verset 5. La connaissance de Dieu, vous pouvez souligner, est un merveilleux savoir pour nous. Elle est si élevée que nous ne pouvons l'atteindre. La connaissance de Dieu est tellement élevée que nous ne pouvons l'atteindre. Psaume 139, le verset 6. Même si nous ne connaîtrons jamais pleinement Dieu, nous pouvons le connaître personnellement. Et ça, c'est la beauté des choses. On ne peut pas connaître pleinement, mais on peut le connaître personnellement. Oh, ça c'est intéressant. On ne peut pas connaître pleinement, mais on peut le connaître personnellement. Alors, on peut tomber dans des débats avec des gens, ok? Mais du coup, si tu ne peux pas connaître pleinement, c'est que c'est pas vraiment ça. Vous voyez? C'est tout à fait normal. Dieu est tellement grand que ça nous dépasse. Quand j'étais un peu plus jeune, ça m'arrivait de penser... au début de la création de Dieu. Et regardez comment c'était drôle. Ok, bon, Dieu, admettons que Dieu a été créé. Bon, maintenant, ceux qui ont créé Dieu, qui les a créés? Alors, ceux qui ont créé Dieu, qui les a créés? Alors, ceux-là qui ont créé, qui les a créés? Ben, du coup, nous sommes en train de revenir dans l'infinité et à un moment, tu vas t'arrêter. Et tu vas dire, mais je ne sais pas. Et rappelez-vous, par rapport aux caractéristiques de la Bible, la suffisance, la clarté, ça nous suffit. Le Saint-Esprit ne nous a pas révélé l'origine de la création de Dieu ou de lui-même, comment il est arrivé à être Dieu. Il ne l'a pas donné. S'il nous l'avait donné, bon, on aurait notre foi se serait construite sur ça. Mais puisque ce n'est pas le cas, nous apprécions... Nous avons le luxe de ce que nous avons. Jésus a dit que la vie éternelle, et là Jésus parle dans Jean 17, le verset 3. La vie éternelle, c'est connaître Dieu, le connaître, lui Jésus, mais aussi connaître Dieu comme le seul vrai Dieu. Est-ce que tu as la vie éternelle aujourd'hui? C'est la question que je nous pose. On peut répondre oui. Et demain, vous apprenez, ce n'est pas le cas, mais tel n'est plus. Il est parti dans la félicité. Il connaissait Dieu. La vie éternelle a commencé maintenant. Vous avez combien de vies chrétiennes? Vous avez 25, vous avez 15, vous avez 20, 30. Vous avez dans l'éternité. Vous avez déjà
votre petit 30 années de vie éternelle. Une partie qui commence ici sur terre et l'autre va continuer dans l'éternité lorsque nous allons quitter ce monde. Alors, ça fait combien de temps que t'es croyant? C'est ça la question que j'ai posée. Quelqu'un va me dire, il a, ça fait 5 ans. Quelqu'un va me dire, ça fait 10 ans. Quelqu'un va me dire, ça fait 2 ans. Ok? Et puisque la vie éternelle, Jésus dit, la vie éternelle, c'est le connaître lui et connaître Dieu comme le seul vrai Dieu. Ok? Je dis que la vie éternelle, on l'a déjà maintenant. Donc, quelqu'un qui se convertit, il a déjà la vie éternelle. Il ne peut pas la chercher. Il l'a. Et elle est basée sur cette phrase, la connaissance de Jésus. C'est bon? Je t'en prie. Jérémie chapitre 9, verset 24, Dieu dit, « Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel. » Ce passage, il est très beau. On peut se glorifier parce que Dieu nous a donné l'opportunité de le connaître. Il nous a permis de le connaître. On peut se glorifier. Et on le lit dans 2 Corinthiens chapitre 4, comment Paul pouvait se glorifier dans le Seigneur. Il pouvait se glorifier d'avoir beaucoup travaillé. Oh Jésus. En plus de connaître Dieu, nous pouvons le connaître à partir de ce qu'il nous dit de lui dans les pages de la Bible. Vous pouvez souligner tout cela. Et ça, ça remet, au fait, ça chasse toutes les discussions qu'on peut avoir autour de nous. Bien sûr, on peut débattre avec les gens, mais on va nous ramener à des débats où Dieu lui-même nous dit, bah, écoute, je t'ai donné tout ce qui est intéressant pour moi de connaître. Enfin, tout ce qui est intéressant, tout ce que tu peux connaître sur moi, je te l'ai donné dans les pages de la Bible. Donc, si maintenant il y a une barrière avec la Bible, c'est tout à fait normal qu'une personne ne puisse pas accéder et comprendre et connaître Dieu. C'est pour cela, lorsque Dieu parle par la bouche du prophète Osée en disant « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel », il les a invités à quoi? À recevoir, à revenir dans les paroles de la loi qu'ils avaient reçues par Moïse, même si cette génération-là, ce n'était pas la génération qui était au commencement. Et il les a invités à revenir à lui, par la bouche du prophète qui leur parlait à ce moment-là. Donc, d'une certaine manière, ils revenaient à Dieu au travers des paroles qui étaient dites à ce moment-là. Comment quelqu'un revient à Dieu lorsqu'il revient dans les Écritures? Il replace la parole de Dieu au centre de sa vie, comme étant le premier outil pour le conduire dans une compréhension et une bonne connaissance de Dieu. Le danger, c'est qu'une personne recherche la connaissance de Dieu par des éléments extérieurs à la Bible, par des expériences, par des sensations. Non. Elle va dire, mais du coup, comment ça se passe? Ça se passe de cette manière. La personne approche la Bible. La Bible lui parle. Elle reçoit une conviction. Il y a quelque chose qui se passe intérieurement et il y a comme une disposition. Elle est en train d'accueillir ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans son cœur à ce moment-là. Et puisque la personne est totalement ouverte, Dieu peut choisir que la conviction qui se passe intérieurement soit ressentie de manière physique. Voilà pourquoi vous pouvez, pendant que vous êtes en train de lire la Bible, un passage est en train de vous parler profondément. Et là, la présence de Dieu remplit le lieu et vous sentez comme une chaleur qui descend comme ça de manière, pendant une minute, 30 secondes, vraiment de manière forte. La personne ne recherchait pas ça, mais simplement c'était une conséquences. Dieu a décidé de cette manière. Et de fois aussi, il décide autrement. Vous êtes convaincu que c'est ça. Comment vous êtes convaincu? Parce que lui qui convainc les cœurs, il vous a convaincu à ce moment-là. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Par exemple, la Bible nous enseigne que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. La Bible nous dit que Dieu est lumière. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Vous avez les passages bibliques qui sont cités dessus. La Bible nous dit que Dieu est juste. Romains chapitre 3, verset 26. La ligne qui suit. Certains des attributs de Dieu seront plus difficiles à comprendre. Nous sommes dans un long voyage. On a 24 points ensemble. Certains des attributs seront difficiles à comprendre. Et c'est là que j'ai dit la dernière fois, quand c'est difficile à comprendre, première chose, aujourd'hui ça peut être difficile parce que c'est une première information. Demain, rassurez-vous, ça ne sera pas difficile. Pourquoi? Parce que vous aurez fait un pas. Votre relation, votre vie avec Dieu aura avancé. On va grandir. Merci, chérie. Hein? Ah, voilà, les couches de l'oignon vont grandir. Il y aura une augmentation de couches. Donc, et ce qui est difficile aujourd'hui ne sera peut-être pas difficile demain. Pourquoi? Parce que nous avons un merveilleux enseignant. Nous avons un merveilleux tuteur. Il voit, il sait. En fait, imaginez un peu le Saint-Esprit. Vous croyez que le Saint-Esprit est comme moi qui, par moment, peut être... mais cet élève, il ne comprend rien du tout. Non, le Saint-Esprit, il est là, il est patient. Et encore, il n'est pas simplement patient, mais il utilise les bons outils au bon moment. Les bonnes prédications. Il nous conduit vers les bonnes informations. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il viendra, il vous enseignera toutes choses, tout ce que je vous ai enseigné. Parce que nous sommes des créations finies, d'un créateur fini, nous ne comprendrons jamais complètement tout ce qu'il y a à comprendre sur l'un ou l'autre des attributs de Dieu. Malgré cela, il est extrêmement utile d'apprendre les attributs de Dieu, car c'est en eux que nous trouverons les vraies choses sur Dieu qu'il veut que nous connaissions. Barbara, elle lisait il y a peut-être 2 ou 3 ou 5 ans maintenant, je crois, ou 4 ans, les mêmes attributs de Dieu sur un gros bouquin de théologie, le même auteur. Elle est sortie, elle a dit, mais chérie, c'est beau, j'ai les larmes, Dieu, il est beau. Pourquoi? Parce que simplement, on comprend qui est Dieu. Dieu est connaissable. Donc, il n'est pas si éloigné et il te laisse là, tu ne peux pas le comprendre. Non. Je ne peux pas tout comprendre, mais je peux le connaître. Je peux apprendre à le connaître. C'est pour cela que je vous ai dit l'autre fois que par la prière, la vie de l'Église... Tout cet ensemble, ça constitue des éléments qui permettent, qui facilitent la connaissance, donc l'information, mais aussi l'appréhension, l'expérience de Dieu. Comment ça s'est passé? Chacun peut tirer les leçons de la réunion d'aujourd'hui. Le temps de louange, pendant qu'il était en train de prier, pendant qu'on était en train de chanter, au tout début, chacun peut tirer une leçon et c'est comme ça que chacun se constitue une approche de Dieu et une compréhension de Dieu. En tant que personne créée pour la gloire de Dieu, nous pouvons lui apporter la gloire en le limitant et en nous rapprochant de ses attributs. On peut célébrer Dieu pour le fait qu'il existe, qu'il est présent parmi nous, qu'il est présent en France. Et je peux même rajouter, cette existence est quelque chose de tangible et palpable. Et on le voit dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas simplement un temple pour avoir un temple. Il y avait par moments une gloire visible qui descendait dans l'Exode. Et qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles? Nous avons Jésus qui est l'exacte représentation du Dieu invisible. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1 à 3. Autrefois, le Seigneur nous a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, dans les temps qui sont les derniers, le Seigneur nous a parlé par le Fils qui est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire. Pourquoi il nous parle comme ça? Afin que, Jésus lui-même l'a dit, vous me voyez? Vous avez vu le Père. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous me voyez. Vous m'avez vu. Vous avez une représentation du Père. L'image du Père.
parce qu'il est Dieu. Et on peut célébrer Dieu parce que chaque jour, il nous donne de quoi le connaître. Bon, Rodrigo, tu sais par où continuer. La prochaine fois, on va parler de Dieu est indépendant. Si tu es rapide, tu vas aller un peu plus loin que moi. Dieu est indépendant, Dieu est immuable. Mais moi, j'ai commenté jusqu'au... J'ai fait les quatre points, enfin, dans ma préparation, parce que je savais que je suis quelqu'un qui... Bref, je savais. Comme Dieu se connaît, moi aussi, je me connais. Donc, Dieu existe. Mmh. Dieu existe. On a un merveilleux livre là d'un monsieur qui était athée. C'est, le livre s'appelle La foi a ses raisons. Et il parle. Comment il nous plonge dans la pensée de l'athéisme. Dieu existe. Et nous le savons. Heureusement, nous pouvons le célébrer parce qu'il est là, parce qu'il est présent, parce qu'il peut toucher et parce qu'il touche. Il a la possibilité. Nous sommes à lui. Vous savez, même lorsque on a l'impression qu'on peut avoir l'impression que Dieu ne peut pas nous toucher, on peut lui dire, Seigneur, est-ce que tu vois un lieu où je te ferme la porte? Ah, c'est peut-être la prière de quelqu'un. Seigneur, est-ce que tu as l'impression que je te bloque? Est-ce que tu as l'impression que je suis en train de te limiter? Alors, peut-être là où moi je ne vois pas, Seigneur, je vais faire cette prière. Je te donne accès. J'aimerais qu'il n'y ait pas de résistance entre toi et moi. J'aimerais pas que lorsque tu viens sur moi, lorsque tu veux m'étreindre de ta présence au travers de ta parole, que je puisse te repousser. Saint-Esprit, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu vas bien le faire. Et là, on attend tranquillement. Et peut-être même pendant qu'on fait cette prière, c'est lui qui nous a conduits à prier de cette manière. Et il valide cela. Il dit oui, mon fils. Il dit oui, Jean-Marc, je viens. Et là, on sent une certaine liberté. Et là, on peut sentir une certaine force. Et là, on peut juste lui dire merci parce que peut-être il nous a emmenés dans une sincérité un peu plus profonde. Et il y a une larme qui a coulé. Et on peut ressentir dans notre cœur qui nous dit, tu sais que tu es à moi. Et il nous dit ce soir, il est en train de dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu sais que tu es à moi? Est-ce que tu sais que personne ne pourra te ravir? Personne, aucune situation. Oh, il y a les paroles de Paul qui viennent me rappeler. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que le séisme de la Turquie? Non. Est-ce que la guerre en Ukraine? Non. Est-ce que l'inflation? Non. Est-ce que cette situation? Est-ce que? Non. Puisque tu existes, puisque tu es connaissable, tu es là à mes côtés et je célèbre ton nom. Est-ce qu'on peut chacun, pendant quelques secondes, quelques minutes, dire à Dieu merci du fait qu'il nous a donné l'intelligence de pouvoir le saisir? Prions au nom de Jésus. Tu nous as permis de pouvoir te connaître. Tu nous as permis, Seigneur, de pouvoir te connaître. Et ce soir, nous voulons nous glorifier d'avoir l'intelligence de connaître l'Éternel, de connaître celui qui vit depuis l'éternité. Nous avons le privilège de nous adresser. Ça peut paraître fou aux yeux de certaines personnes, mais nous ne sommes pas fous. Notre intelligence a été renouvelée. Nous savons que nous nous adressons au Tout-Puissant. Nous savons que nous nous adressons à celui qui est un Père, à celui qui est grand, à celui qui est insondable, à celui qui est Dieu, à celui qui remplit ce lieu. Et tu remplis nos cœurs de ta connaissance, de ton témoignage. Nous t'aimons pour tout, Jésus. Nous t'aimons pour tout, Jésus. Et réellement, tu as brisé le voile. Tu as ôté, Seigneur, ce péché, cette barrière qui nous bloquait. Et je sais que tout ce qui bloque ce soir et maintenant est ôté. Tout ce qui bloque ce soir et maintenant est ôté. Au nom de Jésus. De la même manière que la pierre qui avait été roulée a été ôtée par la puissance divine. De la même manière, le Seigneur ôte
la psyché, ce qui avait été placé au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous pouvons te connaître et nous savons que nous allons encore et encore te connaître et nous aspirons comme Paul à te connaître encore. Oh, tu nous as dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, remplis ma famille de ta connaissance, remplis Poitiers de ta connaissance, remplis la France de ta connaissance, éradique Seigneur cet athéisme, éradique cet agnosticisme au nom de Jésus. Remplis Poitiers de ta connaissance, remplis Poitiers Dieu Tout-Puissant, que nos amis qui sont longtemps restés athées, Seigneur, qu'ils voient la lumière. Que ton Église porte, Seigneur, ce témoignage de la connaissance de Dieu. Nous savons que les principautés derrière l'athéisme vont fléchir le genou. Ils fléchissent le genou parce que l'Église de Jésus est puissante. Parce que l'Église de Jésus est en train de briller. Parce que vous et moi, nous sommes en train de briller. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins partout à Jérusalem, dans Poitiers, dans la Vienne, dans Châtellerault, à Beaulieu, à Chasseneuil, à Jaunet-Clan, à Jaunet-Marigny, à Dissé, à Nintré. Seigneur, merci de briller sur ton Église. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Amen.